temps d'aller chasser le Pokémon. Les amis, Pokémon Go est sorti, même pas en France d'ailleurs, il est sorti qu'en Australie et aux US, et c'est pourtant déjà un gros buzz en France. On a pu se procurer l'application aujourd'hui, on va chasser le Pokémon dans les rues de Paris, j'ai plus d'air. Du Salamèche, du Bulbizarre, du Carapuceau, comme nous, puceaux. Mais on est tous un peu puceaux du coup cette année, hein, parce qu'on va tous chasser le Pokémon, on va pas se mentir. Allez, suivez-moi, suivez le guide, on y va. Donc là, juste à droite, ces carrés bleus sont en fait des Pokéstops. Et si je vais à proximité, je peux faire tourner la pièce et je gagnerai par exemple des Pokéballs ou des trucs intéressants. Mais là, il y a que de la merde, une baie, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Il y a un deuxième Pokéstop qui est collé au premier Pokéstop, ça c'est bien, tu sais ce que ça veut dire ça? Carapuce, il est pas loin. Donc là, je tourne la pièce, et vu que c'est pas sorti en France et qu'il y a une connexion de merde, eh ben, ça tourne dans le vide. Apparemment, il y a un Miaouz qui est pas très loin, hein, et un Titar, et des Ratatas, mais ça on s'en bat les couilles, c'est des petits rats, de toute façon régulièrement ils se bouffent de la mort aux rats, ils crèvent avant qu'on les capture, c'est rarement des cons. Il pleut, hein. Tu sais ce que ça sent cette pluie? Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise ce que ça sent cette pluie? Ça sent Carapuce. Non. Tortank. Ça sent Tortank. Là aujourd'hui c'est un peu la crise, c'est le 14 juillet, les Pokémon hier ils ont fait la fête, donc ils sont encore dans leur lit. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais utiliser une baie, vous voyez, une baie n'importe quoi. Je vais utiliser un encens, et un encens c'est simple, ça va me permettre finalement d'avoir des Pokémon plus souvent. Voilà, par exemple Carapuceau, on a vraiment envie qu'il termine dans notre inventaire, donc on va tout faire. Oh, il y a un Aspico. Il est là. Écarte-toi, attention madame, c'est dangereux, écartez-vous. C'est bon. Attention, est-ce qu'on l'a capturé? Allez, on est Aspico! High five! Ça montre bien la rivalité entre chasseurs. C'est-à-dire que c'est un petit peu chacun sa gueule, quoi. Tout le monde veut ses Pokémon, enfin... Oh, attention! Avance pas, il y a juste là-bas un Ratata. Lui, il a évité la mort aura, le con, mais il va finir dans notre Pokéball. Je veux dire qu'il aurait préféré la mort aura, hein. Ça a bugué. Excusez-moi. Vous auriez vu un Ratata pas loin? Qu'est-ce que c'est? C'est un petit rat qu'on met dans notre Pokéball. Ah. Non? Vous êtes pas une dresseuse? Ah pardon, c'est une poké infirmière, putain. Par contre là il commence à pleuvoir sévère, hein. Non mais là il pleut sévère, hein. Non, il pleut sec, ouais. Non, bah non. Alors attention, il y a un Nosferatu juste là. Oh le con, il dérange les mecs du chantier, quoi, putain. Ah, j'ai raté la Pokéball. Ouais, j'ai mon Nosferatu. Merci beaucoup. Il y a un Miaouz, il est à un pas. Attention, il y a un Miaouz, madame. On va pouvoir aller le chasser. Et ce qui est bien, c'est que j'ai déjà son évolution, donc je m'en bats les couilles, Miaouz. Allez. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va marcher 4,5 km et qu'au bout d'un moment, j'ai des œufs qui vont éclore. Et ensuite, on pourra avoir un œuf 10 km. Ça veut dire que dedans, il y aura un Pokémon de type légendaire. Voilà, un gros Pokémon, tu vois. Un Poké dur. Attends, bouge pas. Il y a un chenipan. Il est juste là. Oui. Allez, rentre dans la Pokéball. Voilà. Ça, j'ai l'habitude, j'en prends tous les jours des chenipans. Tu sais ce qu'on va faire? Je t'expliquerai pas. On va aller là-bas. Il y a une arène. Donc, dans Pokémon Go, en fait, il y a trois équipes. Et t'en rejoins une, level 5. Il y a les rouges, les jaunes et les. Attention. Là, c'est un piaf. Attends, il y a un piaf à bec. Attends, bouge pas, il est sur ton sac. Ne bouge surtout pas. C'est bon, je l'ai. Piaf à bec, mon gars. Tu sais qui c'est, piaf à bec? C'est le Pokémon que personne ne veut. Bah, il était sur ton sac, tiens. Lui, il voulait toi, hein. Level 5 dans Pokémon Go, tu rejoins l'une des trois équipes. La bleue, la jaune ou la rouge. Moi, j'ai rejoint la bleue. Là-bas, il y a une arène qui a été prise par les rouges. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille violer ces putains de Pokémon rouges. Et quand je dis violer... Je parle pas de la couleur. Toi, tu veux que je te file un Ronflex, c'est ça? Attention. C'est quoi, c'est un piaf, ça? C'est un Roucoule. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'un Roucoule? Il est là, il est devant nous. Ok. Ah, voilà. Allez. C'est bon. Donc là, l'arène, tu vois ce jardin? Ça, c'est l'arène, ça. Donc elle est rouge, il y a trois Pokémon qui la protègent. Il y a un petit Ratatak, level 266, un Roucarnage, level 448, et un Magmar 682. Donc les mecs, ils se croient chaud, ils se disent, ça y est, on est les rouges, rouge, c'est la couleur du feu, on est fort. On va leur montrer ce que valent les bleus. Et je parle pas de l'équipe de France, hein. Ça, on a vu ce qui valait à la Coupe du Monde, hein. Et c'était grandiose. Ok, on y est. Je vais lancer le combat. Je vais mettre Persian, je vais mettre un sécateur, je vais mettre mon Flagados. C'est parti. On est en pleine baston. On va se faire le Ratatak. Hop. Allez, Ratatak, il est mort. Suivant. Hop. Et là, on va lancer la méga attaque. C'est Draco Choc. Je vais pas te mentir, le Roucarnage, il a fait aucun carnage, hein. Et là, Magmar, on va pouvoir lui faire la grosse compétence de Ronflex qui inflige énormément de dégâts. Voilà, ça lui a retiré que dalle. Ah si, voilà, sa vie vient de chuter, effectivement. Et la reine a chuté avec. Là, la reine, elle est vierge. J'appuie dessus. Hop.
Rouflex, vas-y. Ça me rapportera des points tous les jours. Tu gagnes des poussières et des pièces pour chaque Pokémon que t'as dans des arènes tous les jours. Donc plus t'as d'arènes, plus t'as de thunes, plus t'as meilleur ton Pokémon et plus t'es meilleur dresseur. Là, on va aller se faire une autre arène. Oh, attends, c'est quoi ça? Un lit, c'est les mêmes. Les mêmes mecs avaient une arène là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se la prendre. Donc l'arène, c'est quoi? C'est l'école Sainte-Marie. Donc là, ça a dû corrompre la capture, c'est ça qui est bien. Du coup, on est baisé. Ok, on est arrivé devant l'arène, elle ressemble à ça. À l'une de ses fenêtres, il y a probablement Lipoutou qui nous regarde et qui se chie dessus. On arrive! Cette arène est trop loin. Pff, bon alors, quand c'est comme ça, vous sonnez. Et vous leur expliquez la situation. Oui, monsieur, c'est pour quoi? Oui, bonjour madame, je viens pour combattre le Lipoutou qui garde les lieux, s'il vous plaît. L'école, elle est fermée aujourd'hui, monsieur. D'accord, comment on peut faire du coup? Faut que je revienne demain? Je sais pas quoi vous dire. En fait. D'accord, j'aimerais quand même que vous dites à votre Lipoutou d'arrêter de me faire des doigts depuis la fenêtre parce que c'est pas très sympa. Parce que quand il va se prendre mon loclasse dans son cul, il fera moins le malin, ton Lipoutou! Merde! J'aurai ta mort! Là, attends. Il y a mon petit poulain qui va naître après 5 km. Attention, j'aimerais trop un truc fou, genre un salamèche, un carapuce, un truc incroyable. Un Nidoran. C'est beau. Tu sais pourquoi je souris? Parce que quand je suis né, c'était un petit peu pareil, quoi. Mes parents m'ont vu sortir de l'œuf comme ça et ils étaient déçus. Tu sais ce que je fais quand je vais pas bien? Je me branle. Mais pas que. Je prends aussi des arènes. Et là, il y a la team Or qui est pas loin. Hein? Donc là, il y a Scarabrut, Hypnomade et Roux Carnage. Je vais prendre un sécateur, je vais prendre Persian avec Flagados. On va défoncer les jaunes, mon pote. C'est parti. Là, il y a un petit Scarabrut. Alors là, j'ai Roux Carnage. Là, ça va être la fête. Je vais envoyer que des sorts qui font très très mal. Hop, hop, hop. Ok, mon Roux Carnage, on est fait deux à lui tout seul. Puis le petit dernier, on va se le faire avec Scarabrut. D'accord, mon Scarabrut pue la merde. On va prendre Persian. Et ouais les gars, je vous ai défoncé. On a pris la reine. Elle est à nous. Oh mon dieu, Titar est plus qu'à deux pas. Titar, il est qu'à deux pas. Il doit être par là. Je l'ai. Il était là, il était en train de faire sa pause clope, le con. Sur les marches. Alors est-ce qu'on l'a? C'est capturé. Bon bah du coup, on va se poser à la maison. On va boire le thé, puis on va faire connaissance avec les Pokémon qu'on a capturés. De toute façon, on a plus de batterie, donc on va devoir rentrer. C'est juste là à droite. Ah bah tiens, pas mal. C'est juste ici à droite. C'est à l'intérieur. Mais c'est à l'intérieur. Avec un fusil. Ah pardon, on passe juste par là, on voulait pas du tout filmer ici. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous prenez des photos dans le coin comme ça? En fait, il me filme en train de jouer à Pokémon Go. C'est un jeu qui se fait dans la rue. En fait, il y a des Pokémon dans les rues. Non, mais c'est pas une blague, je vous assure. Bah, on va juste faire un contrôle quand même.